café quand même un gros. Faut pas que le mien est piqué rouge. Digné. Traverser le rond-point, première sortie, D32. C'est une sortie, ça, ou pas? Non. Suivez D32 sur 9,4 km. En arrivant au village, là, si on voit une petite brasserie, n'importe quoi, elle m'envoie prendre un café très fort. Traversons le village de Tourouvre. Chemin de Compostelle, ben mon voyage. Après 200 mètres, tournez à gauche. On n'est pas rendu encore à 850 mètres. Tu es rendu? Ben moi, elle me dit pour le village, 850 mètres. Tu ferais que je retourne ici. Parc résidentiel. Pas longtemps de la ville, il y a un gars. Ah oui, il y a un garage. Bon, on va le garder dessus. J'espère que c'est un garage. Ben, c'est bon. Le gros, je vais t'envoyer au cul de terre.
Ah, mais c'est ça, c'est la mienne. Ah, c'est ça qu'elle a parlé parce qu'elle a quelque chose devant lui. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver l'église. Après 200 mètres, vous êtes arrivé. Ça va être à peu près 1,5 km, 2 km plus loin que l'église. Je vais prendre une couple de photos quand même, puis envoyer ce soir. Toi, tu vas filmer. Ouais, moi, je vais y envoyer une couple de photos. Je filme. Vous êtes arrivé. Merci. Alors, partir d'ici, 1,5 km, 2 km à peu près. Tu peux-tu voir ça, je t'ai cadré. On va prendre quelques photos pour elle, là, mais... qu'il ne prend pas, non? Non, il est décidé. Monter un kilomètre, il te manque 34,5. Moi, je sais qu'à l'église, c'est 1,2 km, mon chalet. Lui, il dit 1 km, 1,5 km. Tu passes devant, à côté de l'église ou... On va dire tout haut, tout droit. Là, tu poses des champs.